Margot Robbie devrait jouer dans le prochain Tarantino. Les rumeurs continuent de courir concernant les acteurs qui joueront dans le prochain film de Quentin Tarantino. La dernière en date? Margot Robbie, qui devrait jouer le rôle de Sharon Tate. Non Stop et Hop le vous en dit plus. C'est la rumeur qui affole la toile ces dernières heures. Margot Robbie, la bombe révélée dans le film Le Loup de Wall Street, est pressentie pour jouer le rôle de Sharon Tate dans le prochain film de Quentin Tarantino, qui sera basé sur la série de meurtres perpétrés aux États-Unis dans les années 60 par Charles Manson. D'après des informations de Deadline, Quentin Tarantino a récemment pris contact avec la comédienne australienne pour jouer le rôle de l'actrice décédée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Un autre nom avait été évoqué, celui de Jennifer Lawrence. Mais Debra Tate, la sœur de Sharon Tate, a posé son veto par rapport à l'actrice de Hunger Games. Elles sont toutes les deux des actrices très confirmées, estime Debra Tate. Mais je choisirai Margot tout simplement en raison de sa beauté physique, et de sa prestance qui est similaire à celle de Sharon. Toujours selon le même site, Quentin Tarantino devrait également faire appel à Brad Pitt et à Samuel L. Jackson pour jouer dans ce film. Charles Manson est toujours en vie, c'est la première fois que Quentin Tarantino s'attaque à un fait divers dans un de ses films. Le film de Quentin Tarantino devrait retracer l'histoire de Sharon Tate, épouse de Roman Polanski et enceinte de 8 mois en 1960, qui a été assassinée à son domicile par des membres de la communauté de Charles Manson, appelée la famille. Charles Manson, encore en vie aujourd'hui et emprisonné à perpétuité, se prenait pour la réincarnation du Christ. Il avait commandité une série de meurtres pour provoquer une lutte entre les communautés blanches et noires. Il était persuadé que les bons Américains blancs sortiraient victorieux de cette lutte. Par Violette Salles.